Hello à tous, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'avais envie de vous partager quelque chose autour des mots et ce curieux paradoxe de j'ai toujours été persuadée en fait que les mots avaient une puissance et en même temps il y a des choses qu'on a vraiment de la difficulté à décrire, à décrire avec des mots. Comme s'il y a certaines choses que l'on vit où on ne trouve pas finalement les mots assez précis, assez forts, assez puissants. Pouvoir décrire ce qui se vit hein, intérieurement. Et l'autre jour, je me suis prêtée à une petite expérience qui a été vraiment magnifique et que j'avais envie de bah, tout simplement de vous partager. J'écoutais en fait la vidéo d'une femme qui a réalisé le soi. Et j'ai vraiment allumé la vidéo en me disant, je ne vais pas écouter ce qui a été transmis par les mots, en essayant de les mettre dans l'ordre et essayer de se faire des représentations de ce que c'est. Mais je vais simplement me laisser ressentir les mots partagés. Et je dois dire que c'est une expérience qui m'a bouleversée parce que j'avais mis en fait une feuille en face de moi et j'aime bien faire ces petites choses-là comme ça. Donc j'avais. À la suite de cette vidéo, j'ai écrit les mots, on va dire, phares, a priori, de ce partage. Et je me suis laissée ressentir tous les autres mots qui émergeaient à la suite de ça. Et je les ai notés. Toutes les petites bulles que vous voyez, c'est tous les mots que j'ai notés. Et en fait, ces mots-là, ils ne sont pas du tout arrivés par le mental, ils sont arrivés par comme l'émergence, voilà, ils ont émergé en fait. Et au fur et à mesure que je posais les mots, les petites bulles, ça durait bien un moment, parce que vous voyez tous les nombres de petites bulles qu'il y a sur la feuille. Au fur et à mesure que ces mots ont émergé, c'est comme si ils prenaient corps en fait en moi, comme si j'étais dans cette capacité de ressentir vraiment les mots qui étaient écrits. Et c'est là où j'ai vu, même si je le sais depuis longtemps, mais c'est là où j'ai vu combien tous ces mots, ils ont ils revêtent en eux. Vous voyez, le mot, c'est comme la coquille à l'intérieur de ce mot. Il y a tout un autre univers de ressentis, de sensations, et ça va même au-delà des sensations. Et alors, sans vouloir tirer de conclusion, mais c'est vrai qu'à la fin de cette expérience, on va dire, je me suis fait cette remarque à moi-même en me disant, mais qu'est-ce que tu as envie de nourrir comme discours à l'intérieur de toi, puisque tu constates que ces mots, qu'ils soient pensés, exprimés, ou
pas ou écrits, ils ont vraiment un impact très très fort. Et il y a vraiment eu cet engagement vis-à-vis de moi-même d'honorer en fait d'avoir cette vigilance de ce qui est nourri à l'intérieur, ce qui est nourri en relation avec d'autres, ce qui est nourri à chaque instant en fait. Et c'est intéressant parce que bah, ce matin, j'ai été amenée à vivre une autre expérience d'un autre ordre, mais finalement qui vient compléter ça. Je suis souvent sollicitée par mes proches pour corriger, ou en tout cas corriger pour avoir un œil sur une lettre de motivation ou un rapport, ou enfin voilà, peu importe. En tout cas, voilà, on me demande souvent mon aide là-dessus. Et ce matin, voilà, j'avais une demande d'aide. Et je faisais vraiment remarquer à la personne la puissance des mots, en fait. C'était une lettre de motivation et la puissance des mots qu'elle avait écrits. Et je lui ai fait prendre conscience qu'il y a certains mots bah, en les lisant, allaient donner une certaine teinte. Et d'autres mots, d'autres expressions, d'autres formulations, au contraire, suscitaient en fait une toute autre énergie, quoi. Et voilà, j'adore ça. Je trouve que c'est passionnant. Et voilà, je voulais juste vous faire ce petit partage aujourd'hui. Je vous souhaite une superbe journée. Et vraiment, je vous invite, ou en tout cas, à aller goûter comme ça la saveur des mots. Et voilà, bien les choisir, à choisir ceux qui, en tout cas, qui vont dans le sens de s'honorer. De s'expandre, de s'élargir, de s'aimer. Voilà. Je vous souhaite tout plein d'amour.